il y a une volonté d'une société, quand il y a une maturité culturelle, on Hamza par exemple, ils utilisent des matériaux locaux. Ici chez nous, dans la montagne, la plupart, c'est des matériaux locaux. Il n'y a pas de meilleur isolateur que les matériaux locaux. Les gars, on a. Mais bien sûr. Et il y aura la fibrique. Et il y aura le ciment. Mais il y aura la gardeille. Mais il y aura le ciment pour la consolidation. Donc, c'est un problème commun. Il est en même temps à l'amont. Il est en même temps ordre d'études et en même temps, c'est un phénomène social. Donc, on ne fait que accélérer pour que les gens habitent. Voilà. Mais très franchement, vous avez abordé un sujet qui mérite toute une conférence. C'est pour ça que j'ai programmé. Il est dans le programme. J'espère que la prochaine fois, cette même personne, parce que nous travaillons ensemble, lui, il commence dans la transition énergétique, l'efficacité énergétique, l'économie d'énergie. Et moi, je continue dans les énergies renouvelables. Donc, c'est pour faire un peu une thématique globalisante. Les deux thématiques vont aborder clairement la problématique. Donc, étant donné qu'il n'est pas là, c'est Mahdan Akel, mais je vous promets que la prochaine fois, on va traiter ce genre de thématique où, j'espère, chacun trouvera un peu des solutions dans ce sens. Mais ce qui est beaucoup plus à blâmer, c'est les bureaux d'études.